On est à Conakry. Et on va voir, on va à l'ambassade de Côte d'Ivoire, histoire de faire un peu le visa pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça se passe tout de suite. Comme je disais, on va se faire un petit plaisir. Et là, on va se le voir en moins roulant, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est juste magnifique. Ça donne envie d'y aller d'ailleurs. Franchement, c'est super beau. Allez, on poursuit la route. Petite péripétie depuis hier soir. Donc, regardez un peu l'état de la route. Donc voilà, la route elle passe du bien goudronné à ça. Et ben, pendant la nuit on voit pas tout ça quoi. Ça c'est le problème. Alors ce qui s'est passé, c'est que bon, j'arrivais à peu près à 80 km/h et d'un coup la route c'était le bordel vu qu'on voit rien la nuit. On a sauté, on a fait du rodéo, mais vraiment du rodéo. On a fait plus de dégâts là que pendant tout le voyage en fait. Et donc là il y a beaucoup de dégâts et donc beaucoup de dégâts. Alors il y a une durite qui fuit. C'est la durite du liquide de refroidissement. Donc pour l'instant ça peut aller. Il faut juste rajouter de l'eau de temps en temps. Et là on est sur le point d'arriver à Conakry. Bon, on a encore quelques kilomètres à faire. Le souci c'est que la poulie, pour ceux qui s'y connaissent d'ailleurs, pour la poulie de la courroie accessoire, celle qui permet de recharger l'alternateur, ce qui permet de recharger la batterie derrière aussi d'ailleurs quand on roule, eh ben elle a explosé, ça s'est cassé en plusieurs morceaux. Ben, elle est là. Hop. Et juste à regarder quoi, le résultat de la poulie, c'est vraiment voilà. Elle s'est cassée. Donc là, je roule. J'ai roulé au moins pendant 7 minutes à peu près. Sans courroie.
Et là, j'ai vu un mec à nous qui vendait des courroies, qui a fait une manière de mettre une courroie plus petite et qui ne passe pas par cette poulie et qui permet quand même de recharger le véhicule. Donc la batterie, elle n'est pas en train de bouffer. Mais comme elle était plus petite, donc on n'a pas pris la poulie de la direction. Donc le volant, il est super dur et c'est une galère. Mais bon, on arrive à avancer quand même, c'est le principal. Regardez-moi ça. Voilà ce qui arrive dans les routes de l'impossible. Et pourtant, il y a du goudron. Mais voilà, il y a des accidents. Il y a beaucoup plus d'accidents que lorsqu'il n'y avait pas de goudron d'ailleurs. Donc on essaie de faire avec, direction Conakry. Essayer de trouver un mécano. Et puis voir ce qu'on peut faire. Mais là, il faut absolument qu'on y soit aujourd'hui là. Parce que ça fait déjà 3 jours qu'on est dans le pays. Et normalement, au bout des 3 jours, il faut aller faire tamponner les passeports. Comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'est là, direction tout de suite, on y va. Dans les villes de Conakry, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est bruyant comme d'habitude, comme partout. Hein? On va aller faire un petit tour au marché pour voir ce qu'il y a. Bon, aujourd'hui on s'en va à l'ambassade. Bien sûr, je ne pourrai pas filmer, mais voilà, il y a un peu les ambassades un peu partout ici. On est à Conakry et on va à l'ambassade de Côte d'Ivoire, histoire de faire un peu le visa pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça se passe tout de suite maintenant, et peut-être qu'au retour, ben, on aura ce fameux visa, en espérant que ce soit aujourd'hui, parce que dormir et demeurer dans les villes de, dans la ville de Conakry, c'est pas évident.
Donc on va éviter de rester là trop longtemps et on espère avoir le visa dès aujourd'hui. Donc pour ceux qui arrivent sur place en Guinée-Conakry et qui veulent le visa pour la Côte d'Ivoire, il faut faire le paiement en ligne et amener les documents qu'il faut, donc photocopie du carnet jaune, du carnet de vaccination pour la fièvre jaune. Et puis aussi photocopie des passeports et deux photos d'identité. Donc voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne tout de suite.